Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a une séance yoga avec pas mal de travail sur les jambes ensuite et le gainage. Et une petite surprise, on ne l'a jamais fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire du bien et vous amuser aussi. On y va ? On va démarrer le yoga. Pose de l'enfant. Séparez bien les genoux largeur tapis. Joignez les gros orteils et je descends vers l'avant. Allongez bien le dos. Essayez d'amener le front à terre. Respirez calmement. Avec toujours cette idée d'avancer les mains. Voyez. Essayez de travailler la respiration. Avec le bas du ventre. Donc à l'expiration, vous rentrez le ventre. Comme ça, vous sollicitez les abdos transverses. Ok, je vais pousser, passer en table, décoller les genoux et on est en table bien stable au-dessus des mains. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Ouvrez bien les épaules. Insistez bien pour garder les bras tendus, les épaules ouvertes, les jambes tendues et les chevilles relâchées dans le sol. On va lever le pied droit, chien en patte. Et je passe fente avant, pied droit devant, jambes arrière tendues. Bien respirer, bien travailler la fente. Je croise le pied gauche derrière. Jambes tendues. Je reste bien la tête relâchée. Bien garder les jambes tendues. Je détends bien les épaules, je décroise les pieds, pieds parallèles. Toujours rester bien vers le bas. Et je recule le pied gauche pour repasser en fente avant droite. Je garde la main gauche à terre, je lève la main droite, je suis en rotation. Essayez de pousser la hanche gauche, le côté gauche vers le sol. Et je reviens en fente avant, jambes arrière tendues. Et je reviens chien tête en bas. Je reviens en planche au-dessus de mes mains, je descends sur le ventre doucement. Regardez devant vous, tirez les épaules, décollez les mains. Je relâche, je me décolle du sol, je tiens sur les mains et sur les pieds, et je reviens, chien tête en bas, je repousse loin vers l'arrière. Levez le pied gauche, chien trois pattes. Et je dépose le pied gauche devant moi. Je regarde vers l'avant, fente avant gauche. Je croise le pied droit derrière le gauche. Bien relâcher la tête.
passe, je respire dans le bas détendu. Et je recule le pied droit, fente avant gauche. Je garde la main droite à terre. Je lève le bras gauche, rotation. Bien pousser la hanche droite vers le sol. Allez, je reste bien grand. Et je reviens en fente avant. Deux mains à terre. Je recule le pied gauche. Chien tête en bas. Ouf. Je lève le pied droit. Chien trois pattes. Et je reviens en fente avant. Je regarde bien la fente avant. Position du guerrier. Bien garder le poids plus sur l'avant que sur l'arrière. Il faut bien sentir la fente avant. Montez la main droite. La main gauche descend sur la jambe arrière. Je reste en fente avant. Toujours respirer calmement. Je dépose le coude droit, genou droit. Vous pouvez soit allonger le bras gauche au-dessus, soit passer le bras gauche derrière le dos pour attraper la cuisse droite. L'idée, dans les deux cas, de s'incliner et de garder l'épaule bien ouverte. Je relâche et je reviens en fente avant. Deux mains à terre. Et je relâche. Chien, tête en bas. Je reviens en planche. Je descends. Je ne touche pas le sol. Chien, tête en haut. Sortez bien la tête. Et je repousse. Chien, tête en bas. Je lève la jambe gauche et à trois pattes. Et je passe le pied gauche devant. Allez, je repousse. Position du guerrier. Restez bien sur l'avant. Je monte ma gauche. La main droite est sur la jambe arrière. Toujours une respiration calme. Je descends. Deux options. La main droite au-dessus ou la main droite derrière qui va chercher la cuisse. Ouvrez l'épaule droite. Allez, je regarde bien. Vers l'arrière, l'épaule est ouverte. Et je reviens deux mains à terre, fente avant. Jambes arrière tendues. Je recule. Chien tête en bas. On repasse en planche, on descend, montez, chien tête en haut, tirez bien les épaules vers le bas et l'arrière, sortez la tête et je repousse chien tête en haut. Je fléchis les genoux, je regarde vers l'avant, hop, petit saut pied joint. On est en demi-pince, tête relâchée. Montez, inspirez.
relâche. Alors on va chercher l'équilibre sur le pied droit. On croise le pied gauche sur le genou droit. On descend en chaise. Si c'est possible, je peux essayer de faire le pigeon volant. Je croise en déposant le tibia et le pied sur les coudes et je décolle. Ok, et je repasse en chaise calmement. Restez. Main jointe, cherchez l'équilibre. On relâche pieds joints. Toujours pour tenir bien droit. On va croiser le pied droit. Ok. On descend en chaise. Si c'est possible, on teste le pigeon volant. Hop, et on décolle. Et on repasse gentiment en chaise. Chercher l'équilibre. Lâche, bien inspirez, grandissez-vous, montez, inspirez, plongez. On va écarter les pieds et largeur tapis. On descend, main jointe, bien le dos droit. Main droite à terre, on garde l'ouverture. Et on ouvre la main gauche. Toujours pensez à vous grandir. Gardez un buste ouvert pour bien respirer. Et on revient main jointe. Profitez-en pour avoir une position symétrique. Tirez bien les épaules. Voyez ici, je prends contact. Je dépose le bras gauche, je garde l'ouverture. Et j'ouvre la main droite. Bien tirer la tête vers le haut. Et je reviens, main jointe. Ok, relâchez en place debout, les joints. On se laisse aller vers l'avant. Planche, montez, chien tête en haut. Repoussez, chien tête en bas. Je reviens m'asseoir en tailleur, simplement. Ça va? Allez. On va pousser sur les mains, pendentif, on décolle le tout. C'est parti. Je relâche, je reviens assis. Bien respirer. Position du bateau, on la connaît déjà. Allez, je décolle, je regarde devant moi, genoux joints, pieds joints. Cherchez l'équilibre, essayez de former la lettre V, tordez les pointes de pied, allongez doucement sans toucher le sol.
et je reviens en table inversée. Je dépose les mains à terre, je pousse les hanches vers le haut. Bien poussé, hanches vers le haut. Vous pouvez relâcher la tête en arrière. Je relâche et je viens m'asseoir sur les talons. Ça va? Maintenant je viens écarter la largeur du bassin, position du chameau, main sur les fesses, poussez le bassin vers l'avant, ouvrez les épaules, regardez dans le plafond. Si c'est possible pour vous, vous pouvez peut-être relâcher un peu plus et aller chercher les piliers. Bien pousser la hanche vers l'avant. Et je remonte doucement. Je reviens m'asseoir sur les talons. Essayez de faire ceci. Écartez les pieds et déposez les fesses à terre. C'est possible, hein? En général, on a un petit peu mal à la cheville. Ou un peu mal à l'intérieur, c'est normal. Mais voilà, on peut aller plus loin, ok? Allez, je joue les pieds devant moi. Voilà, je me tiens droit. Essayez de relâcher les genoux vers le sol. Et commencez à attraper vos chevilles. Poussez avec les coudes vers le bas. Allez vers l'avant. D'abord avec le dos droit. Voilà, une fois que vous avez atteint le maximum de ce que vous pouvez donner vers l'avant, avec le dos droit, vous vous relâchez, dos courbé. Et je relâche. Je ramène les genoux doucement. Je dépose le bas du dos. Je passe en charrue et de la charrue, je monte en chandelle. Pied derrière et je repousse. Vous pouvez contrôler le bas du dos si vous voulez. Vous pouvez aussi le faire sans les mains, mais vous devez chercher l'équilibre sur vos épaules. Le poids n'est pas réparti sur la nuque. Le poids est sur vos épaules. Essayez de tenir la position en équilibre. Je profite de l'inversion. Les inversions sont en général des positions qui permettent de se relaxer et de déstresser. Ok? Je reste les pieds en haut. J'entends pousser mes fesses. Je repose les pieds derrière en charrue. Bien loin. Profitez-en pour relâcher un peu l'épaule et nuque. Et je déroule tout doucement. Lorsque je colle le bas du dos à terre, j'en profite pour attraper les pieds par l'intérieur. Et je viens pousser les cuisses vers le bas pour faire la position du bébé heureux. Je m'assure que le bas du dos est collé à terre. Et je reste. Ça va, on tient encore un petit peu. Je ramène les genoux joints, j'attrape les genoux, je descends vers le sol. Essayez maintenant de plaquer et le bas du dos et les épaules à terre. Allongez la nuque. Je relâche le bras, je dépose le pied à terre. Je vais le plus loin possible avec mes mains.
tirer les épaules un peu vers l'arrière et je reviens assis. Ok ? Donc voilà, la pratique du yoga. Progressivement, je vais vous amener à un niveau intermédiaire avancé. Et donc, les positions, ben, c'est juste des variations de choses qu'on a déjà vues. Donc, ça peut vous paraître facile, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ok ? Pour la musculation aujourd'hui, je prépare mon chrono. Pour la musculation aujourd'hui, on a un mix d'exercices ciblés sur les jambes, sur le gainage et les fessiers. Vous allez voir, c'est quand même assez puissant. C'est faisable, hein? Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. On s'échauffe. Allez, je genoux un petit peu. Je secoue un peu les jambes. Ok, activation. Secoue un peu les bras. Les épaules. La nuque. Dans un sens. Dans l'autre. Sautille un petit peu. Ah, on y va, skipping. Et bien, jack. Ah oui, jumping jack. Ah. À l'arrière. Ok. Tire un petit peu de buste. Ça rebondit. C'est l'effet élastique. Ok. On descend en squat. Ah, je vais à gauche. 2. Je vais à droite. Et je recommence. 2. 2, 3, 3, 2, 3, on peut tirer un peu là, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, passe vers l'avant, circonduction, et on change de sens, je me vais à l'intérieur. On change de sens. Équilibre sur un pied, je tire jambe droite, genou joint. Bien tiré. Une belle posture, ancrée dans le sol. Talon fesse, genou joint. Quand je dis joint, ça veut dire ceci. C'est normal qu'il s'écarte vers l'arrière, mais c'est pas normal qu'il s'écarte sur le côté. On change de pied. Allez, chercher l'équilibre. Genoux serrés. Talon fesses. Tirez avec les deux mains. On lâche.
Gainage 30 secondes. D'abord les abdos et puis après en Superman. On y va. Allez, gainage sur les coudes. Bien respirer calmement. Sans transition, je vais me coucher sur le ventre et passer en Superman. On est là et on décolle. On reste en isométrie, pas de mouvement. Mais il y a un effort quand même. Hein. Le muscle reste contracté en isométrie, je reste. Encore 10 secondes. Et je relâche. On est debout. Et on va travailler un peu l'ouverture et l'élévation du genou. Dans l'axe d'abord, je lève, je touche l'épaule. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Bien monter en restant droit. 9, 10. Le même mouvement, mais maintenant en ouvrant le genou vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, un mouvement pour aller toucher l'épaule en oblique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a d'autres mouvements possibles. Hein. On peut faire la même chose, jambes tendues. Mais il faut un peu plus de souplesse et plus d'échauffement. On le fera une autre fois. Alors, la séquence, elle est simple. Ah non, j'ai oublié les 25 pompages. On y va. Chacun à sa façon. Commencez par la façon la plus difficile que vous connaissez. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, et le dernier, 25. Ok, c'est une tradition maintenant. Je disais, voilà, là on est parti pour faire deux rounds. Les jambes vont quand même pas mal travailler en force, vitesse, résistance. Donc on va avoir quand même de l'acide lactique. Ça va un peu brûler par moment. Et on va travailler aussi le gainage avec un système de comptage de 0 à 100. Basiquement, au niveau des jambes, on aura des fentes avant. 20. Okay. Des cosaques, 20, voilà. Des splits, je vais changer en l'air, 20, des fentes vers l'arrière où je recule, donc c'est juste l'inverse de la première fente, c'est pas compliqué, et des squats sautés où on est à chaque fois en demi-flexion. Chaque fois c'est 20. Donc, 20 fentes avant, 20 cosaques, 20 splits, 20 fentes arrière, 20 squats sautés. Et après ces séries en jambes, on va enchaîner avec 100 petits levées de jambes où on va compter comme ceci.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je suis sur une jambe, j'essaie de rester aligné. Donc quand je suis ici, vous voyez, je suis aligné, je garde l'alignement. Je ne m'affaisse pas à terre. Ok, très important. Si ça devient trop difficile pour vous de faire les petits changements, ben vous restez aligné au gainage. Et le tout sera fait deux fois. Donc les séries de 20 sans comptage, les séries de 20 sans comptage. Et on a fini pour aujourd'hui. Rendu ? Le chrono, en fait, j'en ai pas besoin. Il est sorti pour hier. Je vais l'enlever d'ailleurs. Allez, on y va ? Motivation, hein ? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Latéral cosaque. 1, 2, calme sur la musculation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Split. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Fente arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Squat sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, courage, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On sent les jambes. Hein? Allez, gainage. Et on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 60. Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et sort. Allez, deuxième série pour les courageux. Vous pouvez la refaire un peu moins vite si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, Kozak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Allez, split. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. On enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. C'est pas de sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est lourd. 7, c'est normal. 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, allez, courage. 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Allez, on y va, lift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Trente. Quarante. Cinquante. Soixante. 70, 80,
90. Et ça. Marchez un petit peu. Respirez. Qu'on puisse terminer avec les 15 pompages. Donc voilà, c'est un effort un peu différent. Parce qu'on a fort ciblé le tronc et les jambes. Les répétitions étaient relativement longues, mais elles étaient toutes sur le même groupe musculaire. Et donc vous avez dû sentir que les sauts devenaient difficiles. Cet état de fatigue-là, c'est parce qu'on a travaillé en résistance. Et la résistance sollicite davantage la filière anaérobie lactique. Et l'acide lactique que vous avez ressenti dans vos muscles, c'est ce qui vient paralyser la contraction musculaire. Donc c'est normal qu'on ait eu une grosse lourdeur, une grosse fatigue. Alors on termine avec les 15 pompages. C'est encore un gainage. Hein? Prêt? Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, le 15e, et 15. Et bien voilà. J'espère que la séance vous a plu. Rendez-vous ce vendredi. Là, ce sera musculation générale, cardio, un gros volume. Vous aurez tout le week-end pour vous reposer. Je compte sur vous vendredi. Allez!